Faire le point à mi-parcours et suivre l'évolution des activités à la caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État était l'objectif visé par cette rencontre des administrateurs de la CPPF. Pour Serge Enam Solel, il faudrait travailler à rendre autonome cet instrument de solidarité intergénérationnelle. Mon prédécesseur avait déjà montré le chemin. Nous allons essayer de nous inscrire sur cette ligne et puis bien entendu améliorer les choses, hein, de façon à ce que la Caisse des pensions, qui est un organisme essentiel, un instrument essentiel de consolidation de notre système de solidarité intergénérationnelle, puisse effectivement exister de façon tout à fait conforme. Le suivi des recommandations du commissaire aux comptes a figuré en bonne place lors de ce conseil où les comptes 2019 ont été adoptés. Les comptes 2019 ont été abordés, ont été adoptés, approuvés, mais sous certaines réserves. Des recommandations ont été faites et nous avons voulu nous assurer que ces recommandations ont été prises en compte par la direction générale. Bien entendu, le commissaire aux comptes, lors de l'examen des comptes qui vont suivre, va se prononcer sur la prise en compte qui a été faite des recommandations, des faiblesses relevées lors de l'examen des comptes de l'exercice 2022. Faisant face à plusieurs défis aujourd'hui, notamment celui de l'arrimage des pensions retraite au nouveau système des rémunérations, la Caisse de pensions et des prestations familiales des agents de l'État via son PCA compte travailler avec le gouvernement pour jouir de son autonomie, comme le prévoient les textes.